Salut tout le monde, c'est Proxion, j'espère que vous allez tous bien mes petits chats. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo sur Call of Duty Ghost, sur le mode extinction, le mode avec les aliens dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous montrer, je vais vous parler des petits conseils et astuces et un petit peu de stratégie, voilà, que j'ai pu remarquer en ayant le jeu en avance, sachant que j'ai eu le 31, voilà. J'ai fait pas mal de live stream, voilà, j'ai même une de mes chaînes Twitch qui a été bannie, enfin la deuxième c'est celle de Kevin et il me l'a gentiment donné. J'ai continué à faire des lives dessus, donc merci mon loup. Alors aujourd'hui, on va vous parler, je vais vous parler donc, pardon, moi et ma conscience, voilà. Je vais vous présenter un peu le mode extinction. Donc il se présente sous une grande map divisée en trois zones, la zone A, la zone B, la zone C. Dans la zone A, de la zone B et la zone C, il y a des nids à détruire, voilà. Une fois que vous avez détruit tous les nids, vous allez devoir détruire les barrières. Voilà, les barrières, ils sont détruites avec un hélico qu'il va falloir protéger des scorpions. Et les nids d'aliens, il va falloir les détruire à l'aide du drill, donc de la foreuse. Je ne sais pas du tout comment c'est traduit en français parce que j'ai le jeu en total English. Voilà, in the beautiful and the bep and what do you do and do you do. Enfin, bref, vous avez compris quoi. Voilà, alors au niveau des races d'aliens, j'en ai compté 4 ou 5. Il y a les très petits kamikazes. Il y a les fat de base, il y a les vélociraptors, il y a les buffles et les scorpions. Donc je crois que ça fait 5 si j'ai bien compté dans ma tête parce que je suis un petit peu fatigué. Voilà. Alors au niveau du niveau, oui, parce qu'il y a un niveau. Alors il y a un niveau en solo et un niveau multijoueur. Alors ça par contre j'étais assez déçu parce qu'il faut quand même un sacré nombre d'heures de jeu pour pouvoir atteindre un certain niveau, pour pouvoir avoir les bonnes compétences, pour pouvoir bien avancer. Parce que je vous jure que vous allez y jouer à ce jeu. Enfin du moins si vous appréciez le mode de jeu, vous allez devoir y jouer pour pouvoir progresser, pour pouvoir aller plus loin et toujours plus fort et voilà quoi. Enfin bref, il y a en tout, je sais pas combien de niveaux, mais en gros tous les trucs se débloquent niveau 29. Moi je suis niveau 28, voilà. Donc... au niveau des points de compétence, vous regardez à l'écran, voilà, parce que je ne l'ai pas sous les yeux. En gros, vous passez des niveaux, vous pouvez débloquer ce que vous voulez. Alors, moi, j'ai le MP443, je crois. En solo, je mets spécialiste en armes. Ensuite, je mets l'IMS et je mets les vestes balistiques. Et je crois que c'est tout. Alors, pourquoi je prends l'IMS, sachant que c'est le premier truc qu'on débloque? Parce que les autres trucs ne servent à rien. Peut-être le minigun, j'ai pas encore vraiment essayé. Mais l'IMS en solo, je peux vous assurer qu'il va vous être d'une aide très très précieuse. Dans un premier temps pour protéger donc la foreuse, dans un autre temps pour vous couvrir, pour réparer la foreuse, et l'autre parce que c'est rigolo, un IMS ça fait du bruit et voilà quoi. Alors au niveau de la personnalisation de l'arme, c'est très simple, dans toute la map en fait vous avez des petites caches, ça peut se présenter dans des petites caisses où c'est marqué fouiller pour ramasser quelque chose, ou c'est fouiller dedans, enfin je sais plus comment c'est écrit en anglais, j'ai pas la vidéo sous les yeux, je ferai vraiment ça en pur impro, voilà, je n'ai rien préparé, je voulais vraiment sortir quelque chose de, enfin quelque chose rapidement pour vous aider, etc. sur mode extinction. Donc dedans vous pouvez trouver différents équipements pour vos armes, donc par exemple le poignet, viseur, rapid fire, etc. Vous pouvez trouver des équipements, des Semtex, des systèmes trophy, une insertion tactique qui sert d'office, enfin qui sert de grenade singe dans ce jeu, mais attention elle dure vraiment pas très longtemps. Il y a le hypno knife, donc le couteau hypnotiseur, ça doit être comme ça en français. En gros le couteau hypnotiseur, dès que vous le lancez sur un alien, il devient votre allié tout simplement, et il va défoncer les autres. Alors c'est pas la peine de penser à le lancer sur le gros mastodonte là, le gros buff, parce que ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, bien évidemment, j'en rêvais, je dis oh là là, j'imagine, oh là là, t'imagines le truc, comment on arrive à choper le gros et là on est refait. Non, non, ça ne fonctionne vraiment pas. Donc voilà, au niveau des stratégies, profitez vraiment de l'IMS au niveau du drill à partir de la deuxième zone. Une fois que vous avez pété la barrière, d'ailleurs vous récupérez un peu de sous au passage, je crois que c'est 3000, quelque chose comme ça. N'hésitez pas à dépenser votre argent avant de récupérer l'argent des barrières, parce que si vous voulez, vous pouvez avoir que 6000$ sur vous. Donc ça c'est un point négatif du jeu. Un autre point négatif du mode de jeu, c'est qu'on peut pas faire pause, on peut pas faire pause durant la game. C'est-à-dire que si vous avez envie de poser un cake, et ben vous devez vous retenir. Donc ça c'est vraiment chiant. La seule façon de pouvoir faire une pause, c'est de défoncer soit la zone A, d'ouvrir, donc défoncer la barrière, et ne pas aller de l'autre côté en fait.
Vous voyez, il faut pas aller de l'autre côté. Vous pouvez rester autant que vous voulez dans la zone dès le moment où vous l'avez nettoyée. Par contre, si vous allez dans une autre zone et que vous revenez dans la zone que vous avez nettoyée, là, c'est reparti pour un tour. Il va falloir vous rejouer parce que les aliens, si vous voulez, ils respawnent à l'infini en fait. Donc ça, c'est vraiment assez chiant pour le coup. Pareil, si vous voyez par exemple le buffle sur un toit, etc., évitez de le provoquer parce qu'il vous faut quand même beaucoup de balles pour le tuer. Moi perso, je suis équipé donc en balles, pardon, en balles. Il y a les incendiaires, donc il y a celle de base bien sûr, il y a les incendiaires, les explosives et les perforantes. Les perforantes sont super utiles contre le buff. Voilà, bien sûr les aliens ont des points faibles, ça vous allez le remarquer tout seul je pense. Et puis voilà, je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ce mode de jeu. Non, je vais parler de mes ressentis. Alors, par rapport au mode zombie, bah, c'est un renouveau. Je dirais pas que c'est excellent. Enfin, moi, j'adore y jouer, perso. J'ai tapé des bons délires, j'ai eu des bonnes montées d'adrénaline. On se sent vraiment compressé, des fois. Mais dès le moment où on arrive à prendre le dessus sur les aliens, c'est-à-dire à utiliser les pièges, les trucs de flammes, etc., par rapport à... Enfin, on va dire, on utilise bien l'environnement par rapport à ce qui se passe. Franchement, c'est top. Voili, voilou. Et surtout, méfiez-vous des scorpions. C'est vraiment eux les plus dangereux, que ce soit pour les hélicos ou pour vous-même, voilà, parce qu'ils crachent une sorte de sperme jaunâtre tout dégueulasse qui sort du cul d'un chauve. Enfin, bref, c'est dégueu. Et ça, c'est chiant, voilà. Sinon, je pense que c'est tout. Oui, donc, je vais vous laisser avec ma dernière manche, voilà. Que je n'ai pas su passer. J'ai su passer la manche et j'ai déclenché la nuque. Mais après, il faut atteindre le point d'extraction. Je n'avais pas compris du tout sur le moment parce que j'étais vraiment en stress à mort. Ça faisait quand même plus de 3 heures que je jouais d'affilée pour essayer de le faire. C'est largement faisable de s'échapper. J'ai vraiment fait de la merde. Mais bon, c'est juste pour le fun. Je voulais juste vous montrer ça. Et j'espère que mes conseils vous auront un petit peu aiguillé. Je sais que ce n'est pas un tuto vraiment excellent. Je pense à des gars comme Dims ou des autres gars qui vont faire vraiment des tutos excellent par rapport à ce mode de jeu. Moi, je voulais juste vous faire une vidéo vite fait pour le premier jour de la sortie officielle du jeu pour ceux qui auront un petit peu du mal. Donc, n'oubliez pas, il faut jouer, il faut débloquer les équipements. Je vous conseille IMS, en solo bien sûr, IMS, veste balistique, balle perforante et MP443. Et essayez de prendre soit la M27, donc une mitrailleuse, ou soit la K12 qui se trouve au début, voilà. Et surtout, n'oubliez pas... Ah oui, par contre, j'ai oublié un truc, donc... quand vous détruisez un nid, vous gagnez un skill point, voilà. Le skill point sert à améliorer les points de compétences que vous avez préfigurés de base à l'accueil d'avant-partie. Et il y a aussi des challenges, voilà. Donc le mieux, c'est de réussir les challenges qu'on vous propose. Ce sera écrit juste avant, enfin pendant une vague, en fait, pendant que vous êtes en train de forer un truc. Il y aura donc un challenge. Si vous débloquez le challenge et que vous avez réussi, il y aura le skill point qui vous sera donné. Donc ça fait 2 skill points au lieu d'un, parce qu'au bout d'un moment, forcément, plus on avance dans les améliorations, plus ça coûte cher. Et voilà, voilà. Voilà, je vous laisse en tout cas avec ma dernière manche. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Je sais que c'est pas d'une totale clarté, mais bon, je le fais par plaisir. Et puis voilà, je vous invite à liker, commenter, partager la vidéo. Rejoignez-moi sur Twitter si je refais des lives sur le mode, c'est important. Voilà, je vous fais à tous un gros gros bisou, mes petits chauves. Je vous aime tous. Bisous, bisous. Ciao, bye. J'espère que tu vas le te dire. Je vais me faire un petit plaise. Hop. On a des balles. On a des points de compétence. On en a 2 en plus. Ah, super spawn. J'en aurais plus que je ne devrais. Voilà, il va falloir être attentif. Je vais être concentré à mort. Ouais, super attentif au niveau des scorpions là, parce que ils me mettent mal direct.
Aïe 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 aïe. Vite 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 vite. Couvre-moi l'IMS. Oui, je l'ai l'IMS. Non, c'est la tempête chez moi. Poche. Ah, j'arriverai pas à la tenir. Vas-y, je reviens. J'arriverai pas. Allez, Christo, tu peux la tenir, la vie. Oui. Allez. Un IMS, hop. Merci mon petit IMS, c'est sympa. Il y a un truc là. Oh, il m'a one shot. Oh, comment il m'a one shot, abusé. C'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Oh là, j'ai perdu une deuxième vie quoi. Quoi? Oh, regardez, ça one shot. Les bâtards, ils one shot quoi. Allez vous faire foutre, bande de pute. Oh la vache. Ok, c'est le moment. Là on fait ça. Regarde, il est où gros, il est où? Allez, faut tenir, faut tenir. Allez. Oh la vache. C'est un truc de taré les gars. Je suis sûr que je peux le faire là. Ah, j'ai monté la main à la lune. Je peux le faire, je peux le faire, allez. Oh là là là, c'est chaud, c'est chaud. Je peux le faire et je vais le faire. Allez. Ouais, faut que je tienne, faut que je tienne et je déclenche la nuque là. C'est quoi ce délire? Allez,
Je peux avoir, crève, enculé. Je l'ai tué. Il y en a deux. Je l'ai tué. Putain. La veste. Allez. Faut que j'aille au point d'extraction maintenant, putain. Oh. J'ai que 2 minutes pour y aller. Oh mon dieu! C'est juste un truc de fou les gars! Allez! Lâche-moi! Faut que j'y arrive! Y'a pas moyen! Comment je fais pour passer là? Putain, je suis obligé de tenir là. Oh sa mère! Ils ont craqué! C'est pas possible! Il y a trop de trucs! Allez, c'est le moment, Christa! Allez! Non, je vais mourir! Non, mais putain, c'est impossible! C'est impossible, les gars, c'est impossible! C'est totalement impossible de se barrer! Oh la vache! Oh le truc de ouf! Oh, je suis choqué! Oh, je suis totalement choqué, quoi!